Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission La Réunion on là. Ma question, c'est est-ce que, en cette année 2020, on s'est changé? Est-ce que le Covid nous a changé? Est-ce que c'était le moment pour nous de changer, de se métamorphoser? La question est là parce que, euh, Guy Roger nous, nous la pose aussi dans son livre Métamorphose. On en parle dans Cosmo Réunionné. Métamorphose. Euh, la seule chose où que, Le seul souvenir que j'ai de métamorphose, c'est lorsque Actarus se jette dans le vide et devient Goldorak. Ça n'a rien à voir. Sans <rire> <riranger>. <rire> oui, mais peut-être qu'il faut se, 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 se sauter dans le vide aussi. Pour pouvoir euh, comprendre qu'il y a quelque chose d'autre, mais chose qu'on ne fait jamais. Euh, il y a un film qui s'appelle The Game, oui. avec euh, Sean Payne et euh, Michael Douglas, où à un moment donné, il se jette dans le vide parce que pour lui, il euh, n'y avait plus d'autre solution. Et, wow. et c'est là que, en fait, c'est tout un jeu qui a été mis en place ouais. pour l'obliger à changer. D'accord, c'est merveilleux ça. Et quand je dis, est-ce que. 2020, est-ce que le, le, le fait d'avoir été confiné, mmh. ça nous a obligé à changer? Est-ce que le contexte actuel nous mmh. oblige à prendre conscience qu'on doit aussi évoluer? Mmh. Est-ce que on en est là? Et est-ce que Guy Roger est dans cette démarche? Moi, je suis dans la démarche plutôt que l'existence, on ne peut pas être tout le temps répété. On a répété nos existences depuis qu'on est petit, on a des mémoires, on a répété, on a répété, on va à l'école, on essaye d'avoir mieux, on, on essaie tout le temps d'être mieux. Mais en fait, on n'est jamais mieux, mais on répète ce qu'on aimerait qu'il se passe. Et la métamorphose dans mon livre... <laughs> je, je vais juste dire quelque chose. Mm. C'est un petit peu... On a répété. Je suis d'accord, hein, a pas... mais je voulais juste ajouter ça. On a répété parce que c'est un confort aussi, parce qu'on sait... Ce qu'il y a, on sait ce que ça nous apporte et on sait que on n'est pas déçu. Bien sûr, parce que c'est un réconfort de pouvoir euh, avoir des habitudes et des train-trains, et ça, ça, nous, ça, nous, fait nous repérer sur des, des références. Tout à fait, tu vois. Oui. Et nos références sont tellement euh, comme d'habitude, et on, on ne se perd pas avec les références. Et on a, ça montre aussi qu'on a. Je ne sais pas si c'est une peur, une crainte ou quoi que ce soit, mais on a peur un peu du changement. On a peur mmh. aussi de, de sortir de nos habitudes, de notre routine. Mmh. Les gestes là, on rentre chez soi, on dépose la clé, on ne regarde même pas. On sait que le meuble est là, on dépose la clé là. C'est ça. On, on va enlever nos chaussures à tel endroit et on répète, on répète, oui, on, on répète. répète C'est le confort, zone de confort. C'est une zone de Donc confort C'est une zone de confort qui à terme devient aussi destructeur. Voilà. Et tu parlais de coronavirus tout à l'heure. Mmh. Euh, Est-ce que ça nous a changé Moi, je pense que elle montre ce coronavirus montre les limites de l'homme parce que nous nous sommes mis dans, dans comme tu dis dans des carcans dans des habitudes et tout ça et on s'aperçoit que en fait toutes ces habitudes euh, quand le coronavirus est arrivé ça a chamboulé beaucoup de choses euh, on peut on peut pas se dire qu'on peut pérenniser notre confort tu vois parce qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra nous déranger toujours dans la vie que tu aimes ou pas ça va être, être dérangé. Et de toute l'histoire de la race humaine, il y a eu des moments comme ça où on a été dérangé par les choses qui nous ont cassé nos conforts. Et je crois que peut-être, si on comprend ça, on aura peut-être envie de voir qu'est-ce qu'il y a quand on, on accepte de surfer avec l'insécurité. Parce que l'insécurité, c'est quelque chose de très beau. Mais... Ça ne donne pas l'habitude et le train-train. Donc il faut que tu sois... Constamment dans un, un milieu. Euh, il, faut euh, il faut continuellement s'adapter. Constamment oui. s'adapter, voilà. Et, et justement, s'adapter dans ce monde, euh, c'est la chose qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris qu'il faut avoir l'habitude, il faut mettre les choses le bien carrées, le confort et tout ça. Et ça fait que je crois que l'être humain aujourd'hui, il, il avait besoin de ce, ce coronavirus. Alors maintenant que tu dis qu'on soit obligé euh, de changer ou pas, ça c'est une autre histoire. <laughs> ah, je, je, je garde ça pour moi. D'accord, je, je reste sur un point là, le moment et dans, dans notre cheminement, dans notre évolution, il y a des moments où les choses se font. On va dire hors coronavirus, il y a des moments où on prend la décision. Je vais changer là. Aujourd'hui, je vais je vais changer les habitudes. Je vais réaménager ma chambre. Je vais ramener la, mais... Réamé... réaménager la maison. Je vais faire différemment. Parce qu'il y a un moment, on a besoin de quitter quelque chose pour mmh. autre chose. Mmh. Une nouveauté. Se sentir différent. Mmh. Et quand je dis le coronavirus, pourquoi? Parce que on n'a pas eu de choix cette fois-ci. Mmh. On nous a dit, vous êtes confinés. Mmh. Et vous devez, pendant 55 jours, vous devez apprendre à vivre. Avec quelqu'un que vous, vous, que vous voyez le soir, le week-end, oui. mais on pas, se connaît pas quoi. On se connaît pas. Mm. Et à la rigueur, on vité. Oui, pour ne oui. pas se taper dessus. Voilà, voilà, voilà. Et là, Parce que instinctivement, peut-être, on est prisonnier de ses habitudes. Et comme les habitudes nous réconfortent, on continue à faire ce qui est d'habitude. Mais quand il s'agit de d'être là sans habitude, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien, tout change parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui va, qu 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 va se passer. Donc, on est plutôt dans la défensive. La défensive. Et la question, c'est est-ce qu'on peut mourir et renaître Alors, quand on, on parle de métamorphose, c'est plus ça, finalement. Oui. C'est mmh. évoluer, c'est changer. Moi, je dis mourir et renaître c'est pour une image mmh. qui, est plus, qui est plus facile à comprendre c'est faire changer. Changer son comportement. Euh, tu te dis, il y a juste une petite phrase au dos du livre, la quatrième de couverture. Mmh. Euh, Lis-le. Tu sais peut-être que c'est plus. Telle la chenille qui devient papillon, telle aussi l'entité égocentrique, ils doivent tous deux se métamorphoser pour renaître. Comment s'engager dans ce processus Et j'ai lu en fait hein, parce que j'avais besoin. <laughs> j ai, j ai, je me suis repéré à, par rapport au livre. Mmh. Mais justement, quand on dit comment s'engager dans ce processus? ils doivent tous deux se métamorphoser pour renaître. et c'est là qu'il y, qu y a un paradoxe, parce oui. que la, mé la métamorphose, c'est pas la mort de quelque chose. Oui. Oui. c'est on, est, on reste vivant. Oui. mais on renaît quand même de quelque chose de vivant. oui, mais pour que ce, cette renaissance puisse être, avoir lieu, il y a quelque chose de vieux qui doit s'estomper. Qu il doit, doit s'effacer. Il doit s'effacer. Et ça, c'est la chose, peut-être, pour nous, les humains, la chose la plus difficile de concevoir, que ce que je suis, comme j'ai compris, doit s'estomper. Et mais ce que je suis en réalité doit être là. Mais pour que ce que le vrai puisse être là, ben, il faut qu'il y ait quelque chose que tu as inventé qui puisse être effacé. Tu puisses l'oublier. Mais on aime bien, tu sais, nos repères, nos habitudes, parce que moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je, je mets un petit crocodile, je suis quelqu'un. Et tout ça, ça réconforte. Et donc, à ce moment-là, on est encore des chenilles, tu sais. On va dire juste qu'on crée son personnage. On se crée un personnage, voilà, bien sûr. on se crée son personnage. Hum. Et effectivement, on est la chenille. Mais quand on regarde une chenille... Je dirais plutôt, elle est plutôt joviale. Euh, elle cherche son bourgeon pour euh, se nourrir. Oui. Elle se pose pas trop de questions non plus. Non, non. Ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Avant le coronavirus, on se posait pas de questions. On était dans notre petit monde, bien tranquille, jovial, comme tu dis. On a beaucoup de plaisir dans ce monde, tu oui. sais. Et c'est bien. C'est beaucoup de plaisir. C'est important pour nous. Et on ne cherche que ça. Mais on ne sait pas que derrière tout ça, il y a cause la cause de tout ce plaisir qu'on a il y a quelque, quelque chose qui se fait et ça se fait en dépit de notre bon sens alors comment je vais, je vais être extrême dans ma, dans ma, dans ma posture hein. comment des choses bien peuvent nous faire du mal à terme oui c'est pas les choses bien qui nous font du mal c'est qu ce qu'on croit bien alors. oui mais ce sont ceux qui pensent bien faire qui sont peut-être les plus dangereux. Tu sais Ça, c'est Einstein qui disait ça. Ah, possible <laughs> Il disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui veulent faire du mal, mais par ceux qui regardent et qui ne font rien. Exactement. Et justement, le, le bien et le mal, dans ce cas, dans la métamorphose, doit être compris comme une chose qui est globale et qu'on ne peut pas dissocier entre le bien et le mal. Si tu commences à comparer, et eh ben cette comparaison va vouloir avoir le, la, la, la vision de quelqu'un qui dit moi je préfère ça ou ça tu vois donc on compare et on se valorise avec la chose qu'on pense que tout le monde aime c'est qu'on on dit mm -hmm. moi je veux pas être riche moi je veux pas être pauvre mais je veux être riche donc tout le monde compare les autres qu'il voit autour d'eux avec des choses que les gens ils ont appris plaisir, mais le pauvre il ne il prend pas beaucoup de plaisir. le riche il prend beaucoup de plaisir, il a sa piscine, il a tout ça. Ben moi je combat entre le pauvre et le riche et je dis je veux avoir celui que le riche a. Donc je veux être riche. Donc tu deviens riche, mais tu t'aperçois que ce que tu es devenu n'est pas ce que tu es. <laughs> et c'est ça le problème, c'est qu'on passe d'état en état sans jamais s'apercevoir vraiment que nous sommes au-delà de tout ça, donc il n'y a pas de comparaison. Et c'est pourquoi je disais ça Parce que la métamorphose de la chenille en papillon, c'est que la chenille est un est un une entité, c'est un être qui existe, mm. mais passer d'un être qui existe à un autre être qui existe, c'est bien une métamorphose, c'est mm. pas une renaissance. Oui. Mm. Alors comment expliquer à l'être humain que c'est pas renaître mais évoluer, changer ben, changer, attends. Quand tu parles de, moi, quand je parle de changement, je pense qu'on peut changer. Euh, on peut arrêter de fumer. On a changé. Ouais. Okay? On peut arrêter de battre sa femme. <laughs> on a changé. On est mieux. Tu vois? Mais le changement n'est pas une métamorphose. Le changement, c'est un conditionnement de notre société qui te dit comment les choses devraient être. Et tu rentres dedans, tu essayes de t'arranger, tu travailles sur toi et tu deviens ce que les gens veulent que tu sois. Donc, on fait plaisir à notre société d'être dans la bonne, euh, la bonne éthique de tout ce que le, les gens aimeraient voir de toi. Donc, tu leur fais plaisir puisque autrement tu seras pointé du doigt et tu seras condamné si tu ne changes pas. Okay mm -hmm. Et ça, c'est notre façon de vivre à nous, les êtres humains, aujourd'hui. On, 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 on veut changer, mais on ne veut pas se transformer. Transformer, c'est quelque chose d'autre. D'accord. Tu vois, transformer, c'est quelque chose qui intervient où tout s'arrête. Tout s'arrête. Il n'y a plus hier. Il n'y a plus demain il y a juste quelque chose qui s'ouvre à toi et qui est complètement neuf. Et là, à ce moment-là, ton esprit, il a une perception beaucoup plus large que tout ce qu'il peut avoir compris, analysé, entrepris de toute son existence. Et là, il y a une perception beaucoup plus large à nous qui nous est révélée, tu vois, quand on est dans cet état d'observation, que tout ce qu'on regarde, dans, la, dans un instant t où il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il y a juste là. Et ça, c'est une transformation. J'entends, mais quand on parle de métamorphose, de la chenille qui devient papillon, oui. il y a quand même ce passage-là et n'est pas innocent. Hum. C'est l'être. Comment l'être humain, chenille, va devenir, un, va, va devenir papillon et qu'est-ce que ça lui apporte? alors, justement, mais la chenille, lui, quand il est dans ce processus de, de transformation, qu'est-ce qui se passe avec la chenille, la chenille, euh, c'est quelque chose de naturel. et chez chacun d'entre nous, c'est naturel, c'est un phénomène naturel. on doit euh, passer à un état différent pour pouvoir comprendre d'autres choses. tu sais, moi, la métamorphose, c'est quelque chose, on a compris quelque chose qu'on n'a jamais compris. Ça, c'est une métamorphose. Tu vois Et dans cette compréhension-là, on doit passer à travers des, des strates de nos compréhensions. On doit abandonner ce qu'on sait pour pouvoir s'avancer vers ce qu'on ne sait pas, vers ce qui est inconnu. Et ce qui nous empêche d'aller vers l'inconnu, ce sont nos peurs. Donc, la métamorphose prévoit que tes peurs se liquidifient qu'il n'y a plus de peurs. Et quand la, la peur, elle s'extompe, elle il y a quelque chose qui se transforme dans ton être et qui voit ailleurs, au-delà de tout ce qui t'empêchait avant de t'avancer. Tu ne t'avançais jamais parce que tu avais peur. Donc tu ne voyais pas ce qu'il y avait. Tu voyais seulement ce que tu aimerais voir. Et tu, es, tu as toujours gardé ton connu. La chenille, elle aime bien être chenille, tu vois. Mais. Quand il s'agit de se transformer, ben, euh, c'est un processus, tu vois, obligatoire, parce que la vie nous le, nous le prévoit, comme le co coronavirus. Il a prévu que c'était comme ça, et nous avons tous été dedans, et ouais. nous avons tous été transformés quelque part, tout tu tout vois. Et, mais, à premier abord, c'est difficile, parce qu'il faut abandonner ce que nous croyons avoir atteint, à avoir gagné, tu sais, toute la notoriété qu'on a eue, tout le, le système dans lequel on vit, qu'on qui, qui, qu qu aime bien, eh bien, tout ça, ça doit être euh, vu d'une autre manière, parce qu'aujourd'hui, le système, comment il est vu on, on voit le système d'une manière, à ce que ce système-là, il marche selon les principes, qui a été donné par nos aïeux depuis des millénaires et des millénaires avant nous, et ça a toujours été la même chose. Donc, l'individualisme, l'égoïsme, et tout ça prône nos sociétés, tu vois. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas un bien, mais c'est un état d'observation, tu vois. Et, et quand tu observes tout ça, le processus de la métamorphose commence. Justement, pour l'homme et... Quand on, quand on écoute Guy Roger expliquer, effectivement, ça peut se faire à divers niveaux. Mmh. Ça peut se faire sur des choses, je dirais, précises. Mmh. Mais là, quand on parle de, de la chenille et du papillon, la transformation, elle est beaucoup plus forte, elle est plus globale. Est, on passe d'un état à, à d'un être à un autre. Être. Le, même si, la, même si là, le papillon, c'était la chenille, oui. ou la chenille qui devient un papillon, oui. la, la transformation, elle est plus radicale. Oui. Est-ce que l'être humain est prêt pour un, un changement aussi, aussi fort ben, On est tous prêts, sauf que ce qui nous empêche d'être prêts, c'est nous-mêmes, nos peurs nos angoisses, c'est ça qui nous empêche. Parce que tu vois, aujourd'hui, quand on te dit... Moi, si je te dis « Tu peux voler. Mm » -hmm. Ben, tu vas me dire « Il est fou !» Bien sûr, mm -hmm. tu peux pas voler, tu n'as pas de zèle, tu n'as mm -hmm. rien, tu es ce que tu es là. Donc, mm -hmm. tu es chenille. Tu vois mm -hmm. Mais une chenille, je dis, un jour, tu vas voler. La chenille dit « Mais tu pas fou, non, je ne connais pas, c pas, parce que ce n'est pas dans son, pas mm -hmm. dans son truc. » mais un jour, il subit la transformation et il s'aperçoit que l'impossible devient possible. Impossible. Tu vois mmh. Et nous, les humains, c'est pareil. On pense que des choses sont impossibles. C'est impossible de regarder la vie avec beaucoup d'amour quand on voit un crime. Mmh. C'est impossible. Parce que c'est dur. Mmh. Tu ne peux pas changer ça. Tu, tu la, la haine, la haine, tout ça. On pense que c'est impossible de me changer, de me faire voir les choses différemment. Mais tu vois, la métamorphose te permet de enfin oublier cet état d'esprit pour passer à un autre état d'esprit qui passe au-delà de tout ce que l'homme a compris de toute son existence. Parce que tu vois, la chose qui va nous sauver, c'est justement cette Perception au-delà de toutes les différences que nous connaissons. Tu vois Parce que quand il y a des différences, ben, il y a des divisions, mmh. il y a des batailles. Et là, la vie est vraiment chenille, tout le monde s'entretue. <laughs> et entre, et c'est d'autant plus, plus vrai dans le sens où, quand on regarde l'être humain, il est capable de se changer, j'allais dire, physiquement charger son cadre, mais c'est psychologiquement qui a du mal à évoluer. Oui, hmm. ben, c'est-à-dire que l'évolution, elle se fait dans le corps. Ouais. Notre corps il a évolué, tu sais, depuis qu'on est deux cellules, qui s'est divisé en quatre, en huit, en seize, en trente-deux, en soixante-quatre, mm -hmm. et ainsi de suite. Hein. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, ce que tu es, le changement que tu as pu concevoir depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, tu as 2000 milliards de cellules qui sont agglutinés et ça fait ton corps. Mmh. Ça fait que tout, toute la mémoire de tout ça, l'ADN et tout ça te permet de savoir que tu peux lever ton bras. Oh, tu sais ben, tu vois et tu, et tu évolues comme ça. Et aujourd'hui on est être humain et on a des capacités extraordinaires Tu vois? Ça c'est l'évolution. Mais maintenant il y a quelque chose qui n'a jamais évolué en nous. c'est nos peurs, nos angoisses. Nos haines, notre égoïsme, ça, ça n'a pas encore fait son chemin. Et ce chemin-là, il doit être conçu à travers une métamorphose de tout ce qu'on pense qui n'est pas possible. Et c'est cette question-là, justement, et ça, je me suis posé à un moment comment, est-ce que c'est est -ce est conscient, est-ce que c'est inconscient, qu'on amorce sa métamorphose alors, je pense qu'il faut prendre conscience déjà que tu sois une chenille. Nous, les êtres humains, on n'a pas de conscience quelque part. On accepte le fait comme si c'était vrai. Mais on ne prend pas conscience que ce qu'on fait est mécanique, habituel, train-train. Et on répète, on répète, on répète, sans même que l'esprit soit présent. Donc, ça fait que quand tu vis comme ça, sans la présence d'esprit, le mécanisme que le corps, il est, tu sais, les 2000 milliards de cellules, c'est un mécanisme. Ce mécanisme, il n'a pas, il n'a pas de, de, d'âme. Si la présence d'esprit n'est pas là, ce mécanisme est voué à être un mécanisme qui se répète. Tu sais, on se répète, on répète, on répète. Et quand tu mets de l'âme dans ce mécanisme-là, eh ben tu peux faire en sorte que cet, cet esprit qui la présence fait en sorte que tout marche dans l'ordre mais pas n'importe comment dans l'impulsion dans, dans le réflexe dans, euh, dans la compulsion tu sais comme souvent on est tu vois et cette compulsion là nous nous, nous garde figés euh, dans, dans nos mœurs tu sais et on pense que c'est complètement impossible de faire autrement mais à partir du moment où tu as compris que ça c'est c'est quelque chose que tu peux changer tu peux aller dedans pour, pour te regarder et quand tu as vu ce mécanisme qui est figé sans âme alors et que tu mets l'âme dedans alors ta vie devient quelque chose d'autre. Merci Guy Roger en tout cas, je reviens je, je, je reviendrai là-dessus hein, 4 pour l'âme justement, on reviendra là-dessus la prochaine fois qu'on on a l'occasion d'échanger. En tout cas, je rappelle donc Métamorphose Guy Roger donc euh, j'ai pas eu l'occasion, j'ai juste feuilleté pour pour voir un petit peu surtout regarder le sommaire et je crois que c'est vrai que c'est c'est bien fait. J'ai été euh, mmh. agréablement surpris. Il y a, une, euh, et, et, il y a une, un événement à, au Portail, à, à l'Espace Leclerc. Euh, tout le mois de novembre, les livres réunionnais, je serai là-bas pour dédicacer. D'accord. Merci Guy <laughs> Roger.